Bonjour et bienvenue sur Sébastien TV. Donc on continue The Legend of Zelda The Wind Walker HD. Donc la précédente vidéo, donc j'ai toujours pas réussi à sauver ma sœur. J'ai été voir le peuple Piaf qui me dit qu'un dragon Valou est en colère et que cause du fait qu'il soit en colère, les jeunes ne peuvent plus aller chercher une écaille pour avoir des plumes qui poussent sur leur corps. Faut pas chercher minuit à 14h. Là je vais aider les Piaf, dont surtout le fils du peuple Piaf, pour qu'il puisse aller chercher une écaille de dragon. Donc je dois aller rentrer dans l'antre du dragon. Enfin, je dois aller dans l'antre du dragon pour aller calmer donc Valou qui a sa queue coincée dans un volcan, à ce que j'ai compris. Donc on continue. On commence donc dans l'antre du dragon, la caverne du dragon. Et donc voilà. On continue le jeu. Wow. C'est trop bien. Ruby. Ouais. Ruby. Ouais. Allez, hop, on saisit et on tire. C'est trop bien. On saisit et on tire. Trop bien, maintenant les personnages ils s'enculent. Celui-là je peux pas le saisir. Donc voilà. Donc là il y a deux méchants. Je vais leur niquer leur race. Mais bien comme il faut. Allez, come on. Ah ouais. Allez, viens. Oh, t'as de la chance. Et où le deuxième là, hein? Eh ouais, bien comme il faut, je vous l'avais dit. Qu'est-ce là? Oh, moi j'aime bien jaune. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh! Oh, j'ai cassé les trucs d'eau, merde. Non, mon Ruby! Bon. Dommage. Allez. Allume-toi. Donc c'est quoi? Une carte? Une boussole? Une clé. Votre petit porte aux alentours. Donc ça me téléporte, mais pour ça il faut que je trouve le deuxième. Hop, donc utilisons la petite clé pour cette grosse serrure. Oui. Oh, et pas de rubis. Oh, et j'ai vraiment pas de bol. Alors, ok, analyse. Pour ça, il me faut l'autre clé. Continuons tranquillement notre chemin. On va tirer ça. Voilà, pour l'instant tout se passe comme il faut. Hop la boum. Hop, on nique vite fait les rats. Voilà, dune. Roulade. La deuxième, elle s'en fout. Hop là, boum. Petite porte. Alors, des rubis. Deux rubis, mais c'est magique. Trop de faf. Alors, le petit coffre en premier. Wouah. Trop d'intelligence du gameplay. Ta da 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 da
Une carte. Ouais, vous obtenez la carte du donjon. Vous pouvez maintenant voir les pièces que vous n'avez pas encore visitées. Consultez la carte sur le Wii U Gamepad. Ok. Après, j'ai jamais trop utilisé les cartes. Oh l'enculé! Petit cœur. Un petit cœur, t'es trop mignon! Hop là! On continue. Ah ça j'ai bien aimé dans Zelda là, le fait de pouvoir utiliser les armes des autres. C'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? Ruby. Oh, good. Vous obtenez la jolie Chouchou Rouge. Elle sera rangée dans votre sac à butin. La jolie Chouchou Rouge est hautement revitalisante, mais elle peut utiliser telle qu'elle. Le boussole. Ah, encore une petite clé. Peut-être pas de boussole dans celui-là. Ça cherche la merde. Chouchou rouge. Trop intelligent. Ouais, je suis trop intelligent. Hop là, allez, on va ouvrir la porte. Aïe. Alors, qu'avons-nous? Là, il me faut le grappin. Chouchou. Ah oui, moi j'ai vu ma race, moi. Je suis trop un beau gosse. Donc toi, ton bâton, j'en aurais besoin. Ah bah, t'as un bâton alors qu'il faut une épée. Moi je veux une épée, pas un bâton. Bah oui, je sais. Mets de feu. Voilà. Hop là. Chut. C'est trop bien. Hein. Oh, ça va faire du bien de respirer. Ruby. Ruby. Quoi cette chèvre? Ah ouais. C'est quoi ce bruit de chèvre? Ça, c'est pas une chèvre, c'est un oiseau.
histoire d'avoir chaud au cul. Nickédélique. Hop là. Allez, on va le soulever, bidon. Hop là, boum. Trop fort. Ah, il y a encore une autre chèvre oiseau. Trop fort. C'est cool. Allez. Alors, que dois-je faire ici? On va tirer des cailloux. Des rats. Alors, des rats. Link, as-tu déjà eu affaire aux rats malins qui passent leur temps à dérober les biens d'autrui? Ce sont rien d'autre que des rats. Essaie de trouver leur nid, approche-toi et propose-leur de la nourriture. Ils acceptent ton pouvoir de partager avec toi leur butin. Tu devrais essayer. Ah ouais? On va proposer de la nourriture à des rats. Oh les enculés! Il m'a volé un rubis! Ah! Enculé! Il m'en vole pas qu'un peu en plus! Eh ouais! Oh! Il est sérieux? Le gars cherche de la bouffe à lui donner! Miam! Toi, gentil! Toi, acheter quelque chose, moi? Acheter quoi? Quoi, t'es sérieux? Je te donne de la bouffe, tu me vends de la bouffe? En plus, cher? Non, pris sur les goélands. Ok, ouais. A permet d'accélérer l'allure du goéland et Z de lever votre emprise. Miam, apporte encore manger. Je me suis fait arnaquer par un rat. Ça mérite une petite musique, ça. Bien, c'était trop beau, c'était cool. Un coffre. Ah, enfin la boussole. Encore une clé. Ah, la boussole. Vous obtenez la boussole. Vous connaissez désormais l'emplacement d'un certain nombre de trésors dans le donjon. Consultez leur carte. L'emplacement sur la carte. J'y étais presque. Alors. Il y en a un là-bas. Ah non, là-bas. Ok. Et tu crois que je peux la lancer d'ici? Je peux monter à l'échelle avec? Non, je peux pas monter à l'échelle avec. Et je peux pas le jeter d'ici. Il va pas aller aussi loin le truc. Ah si! Il est trop fort, Link.
Hop. Des rubis. Une clé. On continue. Alors, hop, petit saut. Ah ouais, il était marqué que je devais essayer le fruit miam miam sur les goélands. Mais t'es pas un goéland, toi. Oh là là. Suicidaire. Bon, allez, on rigole plus. Te m'arrache ta goule. Oh, Ruby. Oh. Tu m'as pourdu une clé. Tu as fait tomber le rubis. Et pas d'autres îles aux alentours, non. Allez, on y va. Eh ben, beaucoup de bâtons là. Ok, allez, venez. Bim, bim, boum. Chiki, yeah. Allez. You. Vous obtenez un pendentif du balayeur qui sera placé dans votre sac à butin. À la manière des papillons attirés par les fleurs, on dit que c'est pendentif attiré par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Ok. Link met le feu, attention. D'un seul coup de bâton. On y retourne. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Ah oui. Le pot de fleurs là, le potion. Oui. Ouais. On va y aller après, là pour l'instant j'aurais pas besoin. Roulade. Ruby. Oh, ta gueule. Et bim. Ruby. Yep. Alors, ah. Wow. Hey. Solide. Chut. Petit cœur. Ah.
Un autre coffre dissimulé. Alors, qu'est-ce que ça va être? Petite clé. La carte au trésor. Ouvrez-la depuis l'écran carte et vous découvrez l'emplacement d'un trésor. Dirigerez-vous vers la pointe indiquée et vous mettrez la main sur un trésor. C'est trop bien. Ouf là. Un seul rubis pour deux vases. Un seul rubis pour trois vases. Foutage de gueule, pas content. Moi je veux un rubis par vase. À quoi peut bien me servir ces bouts de bois là? Alors, que dois-je faire? Ah yeah, j'avais oublié lui. Tu survives forcément dans la lave. Voilà. On y retourne. Hop. Ça c'est du timing ça. Alors cette fois-ci. Ok. 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 D'accord, on commence par les rubis. Aucun rubis dans les crânes. Ça c'est pas cool. Ok, sur garde. Ah oui. Ouais, j'ai pas encore le grappin. C'est tout à fait vrai, ça. Oh oh. J'ai une bêtise. Voilà, de 1. On va casser le deuxième caillou. Et de 2. Alors, on va commencer par là. Alors, hop. Ok, je suis au niveau de Valou. Mais je peux pas encore y grimper sans le grappin, normalement. Oh oh. Tu fais prisonnière par tes copains. Je vous marave. Je vous marave. Oh là là. Trop gentil, c'est trop gentil ça, fallait pas là. Un gros cochon. Allez viens, attaque-moi. Aïe 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 aïe. Mais j'ai appuyé sur A là. Il me faut des petits cœurs là, il me faut un cœur, il me faut un cœur, il me faut un cœur, un cœur.
Bim! Avec ta propre arme. Ça, c'est honteux, ça. Alors, on va attendre qu'il soit vert. Orange. Rose. Vert. Ouais, des sous. Et c'est quoi ça? Vous avez obtenu un collier macabre, il sera rangé dans votre sac à butin. À première vue, ce collier semble sans intérêt et sans valeur, mais l'on dit très recherché par certaines personnes. D'accord. Et j'ai une nouvelle arme trop belle, avec des fils. Oui, oui, la danse des fils. Alors, Milady? Link, tu es venu m'aider. Merci beaucoup. C'est horrible. Quelqu'un a joué un mauvais tour à la queue de Palo. Depuis, il est dans une colère noire. Un mauvais tour à la queue de Valo? La queue de Valo descend jusqu'en dessous de la pièce. Il doit sûrement y avoir quelqu'un dans cette pièce. Peut-être quelqu'un qui est de mèche avec les monstres qui m'ont attrapé tout à l'heure. Il faut vite faire quelque chose. Je vais aller le dire à tout le monde. Link, prends ceci pour sortir. Je m'en servais toujours avant que je vienne ici. Cet objet s'est transmis depuis l'époque où le peuple fief n'avait pas d'aile. Vous obtenez le grappin griffe. Cet objet était utilisé par le peuple Piaf avant qu'il n'obtienne ses ailes. Il s'est transmis jusqu'à nos jours. À l'écran inventaire, assignez le grappin griffe à X avant de pouvoir l'utiliser. Vous pouvez utiliser le grappin griffe en mer pour repêcher les objets qui ont sombré dans les profondeurs. Le signe pouf indique les endroits où vous pourrez accrocher votre grappin griffe. Link, par ici. Donc voilà. C'était la vidéo numéro 5. On la termine avec le grappin griffe. Si tu t'accroches le grappin griffe à cette branche, tu devrais pouvoir te balancer jusqu'en face et sortir. Vise la branche et le signe pouf apparaît. Allez Link, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Alors, grappin griffe, hop, hop, X. Oh, le signe pouf. Ouah, je suis trop fort. Le signe pouf. Et donc voilà. Le grappin griffe m'a dit jusqu'ici. Oh, quoique. Je sais. Attends, la queue de Valou. C'est quelle porte? Je suis au même étage. Ouais. Bon, on va aller faire tout de suite la queue de Valou. Oui, finalement, je vais finir la vidéo en niquant le monstre. Comme ça, je le ferai en deux vidéos. Ce sera bien. Allez, le grappin griffe. Oh, trop la classe. Ah là là, esquive mortelle. Vous obtenez un rubis jaune vous dit rubis vert, c'est super! Un cœur. Un autre vie. Oh, une fée qui me donne toute ma vie alors que je l'avais déjà, c'est trop beau! Oh, une autre, c'est trop bien! Ouais. Il est méchant lui. Oula, faut que je fasse une petite esquive. Vous obtenez un blason d'épéiste, il sera rangé dans votre sac à butin. Quiconque connaît bien le maniement de l'épée, on sait sa valeur. Ouais, belle esquive. Wow. Non. Yeah. Ah bah oui, j'avais oublié ça. Il me faut la clé. Sans clé, c'est sûr, ça me sert à rien.
donc au repart. À quel étage elle se trouve ? Je n'en sais rien, je crois qu'il sera à noter. Retourne au premier étage. Ah bah je le vois. Il est là. Mais tu te rends compte, toi ? Il est là, il est en bas normalement. Il est en bas, faut que je descende. Voilà le coffre, mais maintenant il faut que je descende. Yeah. Mais ça m'en fera bientôt 20 ça. J'en ai combien? 7. Bientôt 27. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Un pendentif du bonheur, c'est trop bien, ça m'en fait 8 sur 20. Ça va vite. Ça c'est pour monter. Oh là 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 là. Le babache. Babache. C'est un mot. Babache. Ah, fait chier. Je recommence d'où de ce fait ? Oh là, je suis deg. Comment je vais remonter dessus maintenant ? Normalement, si je retourne au début, il y a... Il y a des téléporteurs. Hop là, on va retourner voir si ça fonctionne. Oh, mais fais pas ça, Link. Voilà. Un peu de jugeote quand même. Là. Alors, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Voilà. Ça va aller plus vite. Maintenant, le jaune. Et voilà. Donc là c'est Valou. C'est bien par là. C'est déjà un petit peu plus rapide. Moi ça m'a fait perdre du temps là. Hein. Je suis pas content là. Hop. Hop. Allez, on va essayer de tracer. Hop là. Avec le gyroscope du bonus. Un petit peu plus facile à viser, plus rapide surtout. Hop là. Hop. Bon, cette fois-ci, on évite de faire la même bêtise. Oh, le pont s'est réparé. Oh là 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 là. Link, Link, Link. Hein ? Un peu d'équilibre.
Voilà. Ah, c'est bien. Alors, on recommence. Les trois fils sont... Ouais. Pas de bêtises cette fois-ci. On y va lentement et sûrement. Let's go! Yeah! Du premier coup. Alors, la clé du boss. La clé du boss. Bah, c'est bien là. Ah, c'est fermé aussi. Pourquoi c'est fermé? Comment tu veux que je l'ouvre? Il doit bien avoir quelque chose. Ouais, je me disais bien. Ah, mais de l'autre côté. Allez, tire! Trop fort. Oh non, 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 non. Faut éviter la souris. C'est trop bien, j'ai géré. Allez, hop là, on y est, youpi youpi la boum. Toujours de la lave partout. Oh. Pas de rubis. Un petit queue. Hop, hop, hop là. Je suis trop fort. Il est protégé par des flammes. Ah, et à eux là, il est méchant lui. Quoi ça sert de mettre des flammes et l'interrupteur à côté, franchement, à part pour donner un joli effet. Ah, j'ai understand tout ça. Pour ça, il faut que je remplisse mon truc d'eau. Pour ça, il faut que je trouve de l'eau. Ah ouais, mais faut pas que tu tombes aussi. Hein. Oh, oh, oh. Ok. Oh non, j'ai un doute, je sais plus comment je fais. Il a plus d'eau dans mon truc. Ah, mais oui, je peux pas le poser. Ah si, je peux le poser. Ah, il est dessus. Voilà, tout en simplicité. Donc la clé du boss. Vous obtenez la grande clé. Vous pouvez à présent pénétrer dans la pièce où se cache le boss du donjon. Alors, consultez son emplacement sur la carte.
Mais bon, c'est bon. On fait ça au plus vite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une souris géante. Link. Pff, relou là. Je parie où? Mais t'es sérieux? Alors... Hop là... Hop là... Encore hop là... Hop là boum. Wait and see... Oh là 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 là... Le truc qui a le don de m'énerver un tout petit peu. Alors, on y va. Hop là. Elle est morte, je ne sais pas comment. Oh, il est tout faiblard. Voilà. La voilà. Oh là là, hein. Ce fruit barbant. Bon, maintenant pas l'affronter le boss qui emprisonne la queue de Valou. J'ai fait le jeu, donc je le sais, mais vous, vous savez pas. Donc je spoil, c'est un gros scorpion. Hop là. Let's go. Donc voilà, bon, juste avant de faire ma sixième vidéo, donc je vous quitte maintenant. Dans cette sixième vidéo, donc il y aura le boss qui se trouve derrière la porte là-bas. Là-bas, là, la porte là. Ouf. Voilà, vous pouvez la voir avec la grande tête qui fait pas peur du tout. Donc, je vais aller battre ce boss juste après. Vous verrez ça dans la sixième vidéo. Merci d'avoir regardé. A très prochainement pour voir la suite. C'était sur Sébastien TV, Zelda Wind Walker sur Wii U. À la prochaine!